Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, on va essayer de terminer le jointoiement de tous les murs en pierre de la maison. Donc ça veut dire ce gros morceau ici dans la cuisine, mais aussi la première chambre juste ici à gauche qui a aussi un mur en pierre qui sera laissé apparent. Dans cette chambre, il y a un petit peu plus de travail de réparation. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc en fait sur la partie haute du mur, on a le même décalage en épaisseur qu'il y a dans le salon. On a le plafond de notre chambre qui arrive légèrement au-dessus de ce décalage. Et donc là, on va quand même essayer de le combler pour avoir un mur continu jusqu'à cette poutre de plafond ici. Voilà, donc toute la partie haute a été comblée. Je suis assez satisfait du travail que j'ai effectué parce que donc la difficulté c'était bien sûr qu'on voit pas la différence entre mon travail et le vieux mur en pierre. Donc je pense que c'est assez réussi. Il fallait trouver des pierres assez grosses mais assez fines pour qu'elles puissent rentrer dans cet espace et que ça matche un peu le reste du mur. Donc voilà, donc je suis assez satisfait. Donc maintenant, on va pouvoir passer au jointoiement. Donc on humidifie et puis c'est parti. On en profite pour rappeler qu'on effectue cette tâche pour une raison esthétique, mais aussi pratique. Nos murs étant maçonnés à la terre, ils produisent beaucoup de poussière. Le jointoiement empêche donc la terre de s'échapper des joints et de tomber à l'intérieur de la maison, et il permet aussi d'améliorer la solidité du mur. Comme on vous l'a déjà expliqué, on utilise un mortier à base de chaux NHL2 prêt à l'emploi, que l'on vient appliquer entre chaque pierre avec un sac à poche prévu à cet effet. Le joint est ensuite serré à la truelle et brossé avec une brosse métallique afin d'obtenir un joint continu et homogène sur l'ensemble du mur.
Une fois le mur de la chambre terminé, on peut enfin passer dans la partie cuisine et salle de bain. Les murs de la salle de bain et de la buanderie ont d'ailleurs déjà été jointoyés il y a quelques semaines par Maddy et sa sœur, qu'on remercie une nouvelle fois pour le coup de main. Commence maintenant le même travail dans la cuisine. Les joints de ce mur sont beaucoup plus profonds que les autres, ce qui va demander plus de mortier et plus de temps de travail que prévu. Pour vous donner un ordre d'idée, il nous aura fallu environ 7 jours pour jointoyer la totalité des murs en pierre intérieure, soit environ 70 mètres carrés.
Quelques derniers coups de brosse et le jointoiement des murs en pierre intérieure est enfin terminé. Le rendu illumine encore un peu plus les espaces intérieurs et correspond parfaitement à l'aspect qu'on recherchait. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt.